Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du métal qui a discrètement changé le cours de l'histoire de l'humanité, j'ai nommé le cuivre, et ses alliages qui, pour certains, ont eu un rôle beaucoup plus marqué. Est-il encore nécessaire de le présenter? Métal à la couleur rouge-orangé typique, connu essentiellement pour son excellente conductivité électrique qui justifie son emploi pour la fabrication des câbles électriques, il est aussi un excellent conducteur thermique, ductile et dense, avec une bonne tenue à la corrosion, mais aux propriétés mécaniques relativement médiocres. Une propriété intéressante est son point de fusion à seulement 1085 degrés environ. On reviendra un peu après sur l'importance de cette valeur dans l'histoire, car le cuivre est le tout premier métal travaillé par l'humanité. À l'heure actuelle, comme présenté dans la vidéo d'introduction aux matières plastiques, quelques-uns des plus anciens artefacts en cuivre, retrouvés au site de Tel Karamel en Syrie, datent du 9e millénaire avant Jésus-Christ, correspondant approximativement à l'entrée de cette région du monde dans le néolithique. On est alors toujours à l'âge de pierre qui dure depuis environ 3 millions d'années et qui a vu l'apparition sur ces derniers millénaires de la sédentarisation, de la domestication et des débuts de l'agriculture, provoquant l'essor des premiers villages, voire des premières villes comme Jéricho dans l'actuelle Cisjordanie. Ce que l'on nomme l'industrie lithique est à cette époque très bien implémenté un peu partout, aussi bien en Mésopotamie qu'ailleurs dans le monde. Les humains travaillent essentiellement la pierre, mais aussi le bois, les os et les fibres naturelles, que l'on retrouve aisément partout. La pierre est travaillée par martelage et polissage pour produire toutes sortes d'objets, aussi bien utiles comme les outils et les armes, que décoratifs comme les bijoux ou les statuettes. Mais le travail de ces matières, notamment de la pierre, est une tâche longue et fastidieuse, dont les efforts peuvent facilement être réduits à néant si l'objet se casse, les pierres et les os étant fragiles. Cette industrie demande donc beaucoup de main-d'œuvre experte et beaucoup de temps. Dans certaines régions du monde, notamment dans le croissant fertile et dans les Balkans, on trouve des pépites de cuivre natif, c'est-à-dire du cuivre métallique quasi pur à l'état naturel, issu de réactions chimiques dans des solutions hydrothermales. Il se distingue facilement des pierres par sa couleur unique. Suite à sa découverte, il est travaillé comme les pierres par martelage et polissage, comme c'est le cas pour les perles de Tel Karamel, mais ses applications restent initialement très limitées face à la pierre, plus dure. Il se fera néanmoins une place au fur et à mesure pour plusieurs raisons. Ductile et malléable, il ne se casse pas mais se tord, ce qui est moins frustrant que la pierre en cas d'erreur quand on le travaille. Sûrement par sérendipité et grâce au savoir-faire en art du feu des potiers, il a été découvert que le cuivre, lorsqu'il est porté à suffisamment haute température, c'est-à-dire celle des fourneaux de cuisson des terres cuites qui existaient déjà et pouvaient atteindre les fameux 1085 degrés, eh bien ils fond, ce qui marque les débuts de la métallurgie. Si un objet en cuivre se casse ou se tord, on peut le fondre pour refaire le même objet. On peut même le fondre pour faire un objet totalement différent, transformant ainsi par exemple un bracelet en lame de hache. Il est totalement recyclable. Ce qui est un problème pour les archéologues, puisque lorsqu'un artefact est refondu, toute son histoire est effacée à jamais, et il est impossible de savoir combien de fois les artefacts retrouvés aujourd'hui ont été refondus. D'ailleurs, ça justifie l'incertitude sur toutes les dates données, puisque entre les raids et les périodes de paix et de conflit, tout porte à croire que bon nombre des artefacts en cuivre retrouvés aujourd'hui ont eu bien plus qu'une seule vie. Et comme on peut le fondre, on peut le mouler, ce qui permet de gagner énormément de temps pour la fabrication d'objets. Si pendant longtemps les objets en cuivre étaient obtenus à partir de cuivre natif, c'est vers le 6e millénaire avant notre ère qu'il est produit à partir de minerais simples comme la malachite, un carbonate de cuivre. Brûlée avec du charbon ou toute matière organique qui dégaze du monoxyde de carbone en brûlant, la malachite va se réduire à l'état de cuivre métallique en libérant du dioxyde de carbone. C'est vers cette période que se multiplient aussi les mines de cuivre et forcément de minerais de cuivre dans ces deux régions que sont le croissant fertile et les Balkans, qui finissent par entrer officiellement 1400 ans plus tard dans l'âge du cuivre, parfois nommé le chalcolithique, du grec ancien kalkos, le cuivre. A noter que la transition entre l'âge de pierre et l'âge du cuivre est floue, elle correspond à une longue période au cours de laquelle les outils en pierre sont partiellement délaissés au profit du cuivre, provoquant une diminution de la main-d'œuvre experte sur la pierre, réduisant la qualité des outils en pierre, réduisant toujours plus leur intérêt face au cuivre. Mais de par le côté épars des gisements de cuivre, son côté mou et le coût associé à son extraction et son travail, beaucoup de petits outils et d'armes restent fabriqués en pierre. Le gain de temps offert par les procédés de fonderie du cuivre, couplé selon les régions avec l'apparition du tour de potier, de la standardisation des briques d'argile ainsi que de l'irrigation, permet notamment d'augmenter la proportion d'ouvriers agricoles, permettant de produire plus de nourriture, déclenchant la boucle vertueuse de la croissance, où plus de nourriture permet d'avoir une plus grande population, permettant d'avoir toujours plus de nourriture, et ainsi de suite.
C'est là que se forgent les fondations des premiers grands empires de l'histoire, avec l'apparition de villes toujours plus grandes, de plusieurs milliers d'habitants, ainsi que le début d'un commerce à grande échelle plus complexe que ce qui existait déjà pour le silex en Europe, le cuivre n'étant pas aussi abondant que la pierre et le bois. Et un début des inégalités sociales marquées, qui se voient dans le traitement funéraire et la culture matérielle. Les plus riches et les plus puissants des clans, tribus, familles ou villages sont enterrés avec des armes, des bijoux ou d'autres signes de richesse. Malgré ces quelques changements, l'âge de cuivre ne présente pas de réelle rupture avec le néolithique. Le point que je veux souligner avec tout ça, c'est que le cuivre, aux côtés d'autres innovations, a créé un changement en apparence mineur, à savoir un gain de temps en fabriquant des outils grâce à son point de fusion relativement faible, mais dont l'impact final se révélera très important, initiant de grands changements pour l'humanité. Un des exemples les plus parlants est la ville d'Uruk, qui vers 3500 avant Jésus-Christ comptait au moins 40 000 habitants et 40 000 supplémentaires dans ses environs. A titre de comparaison, les plus grandes villes de l'époque en Égypte prédynastique, comme Nekhen, atteignaient les 5 000 habitants, et en France, les rares villes entre guillemets atteignaient au mieux quelques centaines d'habitants. C'est vers moins 3150 que va s'opérer le début de la révolution suivante, en Iran cette fois. Cette région est riche en divers minerais de cuivre un peu spéciaux car contenant naturellement quelques pourcents d'arsenic. Avec ces quelques pourcents, les peuples présents sur place, sans le savoir, ne disposaient pas de cuivre mais de bronze arsénié, un alliage à la fois plus performant que le cuivre pur et plus facile à fondre. Mais cela ne se fait pas sans contrepartie, l'arsénic est extrêmement toxique et raccourcit la durée de vie de ceux qui le travaillent. Toujours par sérendipité, d'autres populations découvrent l'intérêt d'ajouter d'autres éléments au cuivre pour obtenir de meilleurs produits. Une combinaison en particulier a été trouvée vers moins 2900 dans l'actuel Afghanistan et est encore utilisée aujourd'hui, c'est l'étain, dont on y trouvait des gisements importants. Les effets sont similaires à ceux de l'arsenic, sans la toxicité. Avec la démocratisation de ces nouveaux alliages que sont les bronzes, on passe alors de l'âge du cuivre associé à la découverte d'un métal à l'âge du bronze associé au développement de la métallurgie, c'est-à-dire l'art de traiter les minerais. Comme pour la transition pierre-cuivre, la transition cuivre-bronze ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec un remplacement étalé dans le temps. Cette période, contrairement à l'âge du cuivre, va s'accompagner de nombreux bouleversements grâce à deux choses, les propriétés mécaniques supérieures des bronzes et les conflits. Car évidemment, si les bronzes ont servi à une chose avant tout, c'est la fabrication d'armes plus performantes que celles en pierre ou en cuivre, mais aussi d'armures en métal pour la première fois de l'histoire, faisant du bronze et surtout de ces minerais des ressources stratégiques, notamment l'étain bien moins commun que le cuivre. Et forcément, qui dit ressources stratégiques dit convoitise. Posséder des mines, notamment des mines d'étain, devient un enjeu important pour les proto-empires qui se forment, quitte à devoir établir de longues routes d'approvisionnement entre elles et leur territoire. Cette convoitise est source d'insécurité. Il faut protéger les mines, les routes commerciales et les sites de production. Un exemple français de cette insécurité est le fort Harouar, à 80 km de Paris, dont le quartier bronzier était surveillé et protégé avec une production différente pour chaque artisan. L'économie devient en partie non directement productive. On fabrique des produits en bronze, essentiellement des armes non périssables et très recherchées, pour du commerce extérieur et non pour aider directement la population locale, comme c'est le cas avec les productions d'outils en pierre ou la production de nourriture qui, elle, est essentiellement produite pour la population locale. A noter que les outils simples comme les faux étaient pour l'essentiel toujours fabriqués en pierre au cours des deux âges. Le travail du bronze va aussi provoquer une véritable spécialisation des métiers. Le mineur, le forgeron, l'artisan et le marchand sont quatre métiers distincts, chacun devant être réalisé à plein temps car ils nécessitent tous une expertise poussée, ce qui était moins vrai pour le cuivre car la demande était bien moindre. Pour répondre à cette demande, ces personnes n'ont donc absolument pas le temps de travailler au champ. D'autres personnes doivent leur fournir de la nourriture et de la protection en échange de leur travail, participant encore à cette spécialisation. Il en découle deux choses. D'abord, qui dit expertise dit forte valeur ajoutée, qui, combinée aux quantités produites, génère une importante accumulation de richesses pour les producteurs de bronze. Ensuite, certains métiers sont plus spécialisés que d'autres. Un artisan ou un marchand de bronze, allant dans des contrées lointaines, obtiendra certainement bien plus de richesses qu'un simple fermier. Le travail du bronze devient un catalyseur des inégalités sociales et de la hiérarchisation très marquée des sociétés humaines. On verra apparaître dans de nombreuses régions ce que l'on nomme l'économie palatiale. Un potentat constitué d'un petit groupe de personnes confisque et gère les richesses de son territoire et de ses habitants, notamment grâce à l'administration, apparue suite à l'invention et au développement de l'écriture, et qui aide à la gestion de grandes quantités de ressources et de populations, car entre-temps, on est passé de clans ou de villages à des grandes villes.
Cette hiérarchisation en caste se voit dans le traitement des morts, de manière plus poussée que pour le cuivre. Les plus riches sont enterrés dans des tombeaux avec une partie des richesses vilipendées à la société, alors que les plus pauvres finissent plutôt dans des tombes collectives, comme à la célèbre nécropole de Varna, en Bulgarie, qui est un excellent exemple de cette différence de traitement. En conséquence de tout ça, ce qui était alors des cités-états pour la majorité deviennent des empires dont la convoitise provoquera les premiers grands conflits. Bref, dans la continuité du cuivre, le bronze a eu un très fort impact sur le cours de l'histoire, faisant passer l'humanité de villes et villages isolés à des empires riches grâce à un commerce à grande échelle de produits dont les gisements sont relativement rares. Si les dates données concernent essentiellement le Proche-Orient, d'autres régions du monde ont eu le même cycle pierre-cuivre-bronze, mais à d'autres moments. A noter d'ailleurs que pendant longtemps, le terme bronze a désigné tous les alliages à base de cuivre, aussi bien le bronze moderne que le bronze arsénié, le bronze au plomb ou encore le laiton, du cuivre jaune qui a été obtenu dans quelques régions du monde, notamment en Asie mineure. Et oui, j'ai grandement simplifié ce qui s'est passé durant ces deux périodes, mais elles sont extrêmement riches et complexes, surtout à l'échelle mondiale. Je ne suis pas historien et on est là pour parler du cuivre, pas pour faire un cours d'histoire. Je voulais juste présenter un peu son importance dans la suite d'événements qui nous ont conduits jusqu'à aujourd'hui. La maîtrise du cuivre et de ses alliages s'est maintenue jusqu'à nos jours, contrairement à l'industrie lithique. Une civilisation majeure ayant profité de ce métal est, sans surprise, l'Empire romain. C'est d'ailleurs du latin que nous vient le nom moderne de ce métal, cuivre venant du latin cuprum, variante du nom de l'île de Chypre, qui disposait d'un grand nombre de mines et avait établi un important commerce de cuivre et de bronze en Méditerranée. Vers le 5e siècle, la capacité de production de l'Empire romain atteindra les 15 000 tonnes par an, capacité qui ne sera surpassée qu'à la révolution industrielle, quelques 1400 ans après. Le cuivre et ses alliages leur ont notamment servi à la fabrication de pièces de monnaie, le fer maîtrisé entre-temps étant préféré pour les armes et les armures. J'ouvre rapidement une petite parenthèse, car quitte à parler étymologie, parlons rapidement des autres noms associés au cuivre. Bronze, de l'italien bronzo, a une origine incertaine, mais l'idée la plus probable est qu'il s'agit d'un dérivé de Brindisium, aujourd'hui Brindisi, ville italienne connue à l'époque pour sa production d'alliages de cuivre. Laiton ne viendrait pas comme c'est indiqué dans les dictionnaires de l'arabe Lahatoun, puisque cuivre et laiton se prononcent Mohassan. À moins qu'un linguiste spécialisé en arabe antique puisse nous retrouver les traces d'un tel terme, ce qui serait pas mal pour corriger le dictionnaire français, cette idée n'est basée sur rien. L'étymologie est en fait incertaine, possiblement issue du celtique, d'un terme signifiant « plat », se référant à la forme des pièces de monnaie, et ayant perdu le « p » indo-européen initial entre-temps. Et « airain », ancien terme désignant de manière générale le cuivre et ses alliages, vient du latin « as », désignant le cuivre et ses alliages. Au Moyen-Âge, dans la continuité de l'Antiquité, si on produit toujours du cuivre, il est clairement supplanté par le fer, plus résistant et plus dur pour beaucoup d'applications, notamment militaires. Il se retrouve limité à l'artisanat et à la quincaillerie. On l'utilise pour fabriquer des poignées, des ustensiles de cuisine ou des monnaies, car il reste quand même bien plus facile à travailler que le fer. Même s'il n'est plus une ressource aussi stratégique qu'à l'âge du bronze, le cuivre reste une source importante de profit. Le territoire de l'actuelle Slovaquie, appartenant alors à la Hongrie, assure une grande part de la production mondiale de cuivre dès le 8e siècle avec ses mines de Banská Štiavnica. Sur la fin du Moyen-Âge, avec sa mine de Falun, la Suède assure à elle seule un tiers de l'approvisionnement mondial de cuivre. Durant la seconde moitié du 15e siècle, naît celui qui deviendra l'homme le plus riche d'Europe, ce qui lui vaudra d'être tout simplement surnommé « le riche », Jacob Fuggerfis. Ce banquier marchand construira sa fortune en s'accaparant, avec le métallurgiste Jean Turzo, la majorité des mines de cuivre et d'argent hongroises, afin de concurrencer la Suède sur le commerce européen du cuivre, notamment avec le Portugal et l'Espagne qui ne sont pas bons amis avec la Suède. Sa fortune atteindra plus d'1,5 million de florins, soit 2% de toutes les richesses d'Europe, à comparer au salaire moyen d'un ouvrier de l'époque qui touchait dans les 15 florins par an. Son empire, basé sur le cuivre et l'argent, lui aura permis l'implantation de nombreuses succursales ainsi que d'un réseau de renseignements à travers toute l'Europe, tellement efficace que même les puissants l'utilisent, comme l'empereur Maximilien Ier. Il l'utilisera notamment pour échanger avec le pape Jules II pour son couronnement à Rome, et avec Louis XI pour les guerres d'Italie en 1509. C'est d'ailleurs Fugger qui est à l'origine de la célèbre garde suisse pontificale dont il a financé le premier contingent. Au XVIIe siècle, avec ses nouvelles mines d'Amérique, la Suède reprend le dessus sur les mines européennes des Fugger, moins rentables. Pour répondre à la demande toujours croissante de cuivre, c'est ensuite au pays de Galles et donc à l'Angleterre de dominer le marché au XVIIIe siècle, avec la méthode galloise, gardée secrète jusqu'au XIXe siècle, où elle deviendra obsolète à cause de nouveaux procédés de raffinage.
Avant ça, elle permettra à l'Angleterre de produire 6000 tonnes par an, soit à peine moins que ce que produisaient le Tyrol, la Hongrie, la Suède, la Saxe, la Norvège et la Russie cumulées, le total approchant les 15000 tonnes par an de l'Empire romain. La production est alors telle qu'en Cornouailles, un homme sur trois travaille le cuivre. À la moitié du XVIIIe siècle, c'est à la France de se démarquer grâce à ses mines de Chécy et de Saint-Bel en région lyonnaise. La nouveauté n'est pas une production encore plus importante que les autres pays, mais le procédé de traitement des minerais. En remplaçant le charbon de bois par du coke, Gabriel Jarce le Jeune permet l'obtention de cuivre de haute qualité, sans soufre, tout en consommant moins de combustible, dont les coûts sont en augmentation, ce qui se répercute évidemment sur le prix final du métal. C'est ensuite au tour de l'Amérique et de l'Australie de briller, grâce à leurs nombreux et importants gisements de cuivre jamais exploités, du Canada au Chili en passant par l'Arizona. À la fin du 19e siècle, ce sont les États-Unis qui prennent la tête de la production mondiale, détrônant ainsi le Royaume-Uni, notamment grâce à de nouveaux procédés encore plus performants que la méthode galloise, comme le procédé des Français Manès-David, la version cuprique du procédé Bessemer, puis le procédé d'électrolyse, permettant d'encore mieux répondre à la demande exponentielle, dopée notamment par les débuts de l'électricité. A noter que ça avait été un peu freiné par l'apparition des aciers et des fontes. Le cuivre permettra ensuite l'essor économique du Congo belge et de la Zambie au début du XXe siècle, puis du Chili dès les années 20, qui est encore aujourd'hui le numéro 1 devant le Pérou et la Chine, et qui produit dans les 6 millions de tonnes par an, soit environ 28% de la production mondiale, ce qui correspond à une production quotidienne équivalente à celle de l'Europe au XVIIIe siècle avec la méthode galloise. Voilà pour la très longue histoire survolée du cuivre. Maintenant, parlons du cuivre et de ses alliages d'aujourd'hui pour faire un tour de leurs principales propriétés et de leurs applications typiques. De nos jours, comme pour les aciers, on distingue les cuivres et dérivés selon leur taux d'éléments d'addition. Sans éléments d'addition, on a les cuivres purifiés. Sous 2,5% d'éléments d'addition, on parle de cuivre faiblement allié, comme pour les aciers. Et au-delà, on parle d'alliage du cuivre, anciennement dénommé les bronzes à toutes les sauces. Parlons d'abord des cuivres qui se divisent en trois catégories. Les cuivres contenant de l'oxygène, les cuivres désoxydés avec des oxydants résiduels, et les cuivres dits exempts d'oxygène ou désoxydés sans désoxydants résiduels. Pour la première catégorie, l'oxygène vient simplement de l'atmosphère lors de la fusion et de la coulée du métal. Les concentrations restent tout de même faibles, seulement quelques centaines de ppm. L'oxygène se lie au cuivre pour former des inclusions globulaires d'oxyde de cuivre CuO2 appelées des oxydules. Si ces oxydules ont un effet nuisible à chaud en atmosphère réductrice, donc notamment lors du soudage, ils ont un grand intérêt pour les propriétés électriques du cuivre. L'oxygène va avoir tendance à se combiner aux autres impuretés présentes dans le métal, atténuant leur effet néfaste sur la conductivité électrique. Ces cuivres se classent en trois nuances. D'abord le cuivre A1, ou cuivre TP, qui est du cuivre pur à 99,9% minimum, et dont la conductivité est, par définition, 100% IACS, qui, je le rappelle, est un étalon de conductivité électrique valant 58 mégasiemens par mètre, retenu par la Commission électrotechnique internationale en 1914. Il est obtenu par procédé électrolytique, ce qui permet un excellent contrôle des impuretés, dont les concentrations autorisées sont normalisées. Il sert sans surprise à la réalisation des câbles électriques dans tous les secteurs de l'industrie. Le cuivre A2 ou cuivre FRHC répond aux mêmes critères de composition et de conductivité que le cuivre A1, mais contient plus d'impuretés à cause de son procédé d'obtention. On parle de cuivre thermique. On discutera plus tard des procédés d'obtention, mais l'affinage thermique est aujourd'hui très peu utilisé face à l'affinage électrolytique. En conséquence, le cuivre A2 est de moins en moins utilisé face au cuivre A1. Et la dernière nuance est le cuivre A3 ou cuivre FRTP, moins pur avec une teneur minimale en cuivre de 99,85% et sans aucune garantie sur la conductivité électrique. Comme le cuivre A2, cette nuance est de moins en moins utilisée et est surtout dédiée à l'élaboration des alliages. La seconde catégorie, celle des cuivres désoxydés avec des oxydants résiduels, vous vous en doutez, sont désoxydés par ajout d'un élément chimique, le désoxydant. Il s'agit de phosphore, introduit durant la fonte par ajout de phosphure de cuivre. Cet élément est très avide d'oxygène, bien plus que le cuivre. L'élimination de l'oxygène améliore nettement la soudabilité du cuivre, mais réduit sa conductivité électrique à cause des impuretés et du phosphore excédentaire. Il existe deux nuances, toutes les deux contenant à minima 99,9% de cuivre et pouvant être toutes les deux obtenues par les deux procédés d'affinage. D'abord, le cuivre B1, ou cuivre DHP, qui contient entre 150 et 400 ppm de phosphore résiduel avec une conductivité comprise entre 70 et 90% IACS. Il sert essentiellement à la réalisation des tubes sanitaires et de chauffage soudables et au bardage qu'on reconnaît après de nombreuses années grâce à leur couleur verte typique.
et le cuivre B2 ou cuivre DLP qui contient entre 50 et 130 ppm de phosphore résiduel avec une conductivité améliorée entre 85 et 98% IACS. Il est principalement utilisé pour la fabrication de busbars ou de lead frames dans l'industrie électrique et électronique. Enfin, les cuivres exempts d'oxygène, obtenus uniquement par affinage électrolytique, combinent le meilleur des deux catégories précédentes, une excellente conductivité et une insensibilité à chaud. Le cuivre C1 ou cuivre OF est obtenu par ajout maîtrisé de désoxydants pour ne pas avoir de surplus de phosphore après couler. Avec à minima 99,95% de cuivre et une conductivité à 100% IACS, c'est tout simplement un cuivre A1 désoxydé, les autres impuretés étant présentes en concentration équivalente. Et le cuivre C2 ou cuivre OFEG est lui obtenu par couler en atmosphère inerte. Contenant au moins 99,99% de cuivre, sa conductivité minimale garantie est aussi de 100% IACS. Ces deux nuances, qu'on retrouve pour bon nombre d'applications électriques et électroniques, peuvent exister en classe 5N ou 6N, c'est-à-dire purifiées à 99,999%, voire 99,9999%. Ces classes hautement purifiées sont dédiées aux applications électroniques de pointe, aux applications sous vide ou à la recherche. Dans le cas de l'électronique, des impuretés dans le métal conduisent d'un côté à un plus fort réchauffement, ce qu'on souhaite éviter pour les processeurs, et de l'autre à de la perte d'information dans le signal binaire, pouvant être source d'erreur pour les ordinateurs. Au global, le cuivre est essentiellement utilisé purifié, à près de 50% pour la réalisation de fils et de câbles électriques, à environ 25% pour les tuyauteries des sanitaires et du chauffage, aussi bien domestiques qu'industriels, quelques 20% se partagent entre les tôles pour le bardage, les radiateurs automobiles, les cosses électriques ou les casseroles, et les barres et profilés pour les alternateurs de transformateurs ou pour les collecteurs de moteurs électriques. Seuls les 5% restants sont dédiés à la réalisation des différents alliages de cuivre. Voici les principales propriétés physiques des cuivres. Comme on peut s'y attendre avec des concentrations variant entre 99,85 et 99,99% de cuivre, il n'y a pas de différence majeure pour l'essentiel des propriétés. Seule la conductivité électrique varie vraiment pour certains cuivres. Les propriétés mécaniques varient très peu d'un cuivre à l'autre, mais varient beaucoup selon le traitement thermique appliqué. Mais on reviendra sur ce point-là dans un épisode dédié au traitement thermique des métaux. Retenez juste que malgré sa densité élevée, le cuivre purifié n'offre pas une résistance particulièrement intéressante comparée aux aciers, moins coûteux, à part dans les états H15 et H18, mais qui sont trop fragiles pour beaucoup d'applications. Pour avoir mieux, sans surprise, il faut du cuivre allié, dont il existe plus de 200 nuances. Elles sont séparées dans les deux catégories présentées plus tôt. Contrairement aux aciers, la désignation est la même pour les deux catégories, et elle n'est pas trop compliquée. On note Cu pour le cuivre, puis le symbole de chaque élément d'addition accompagné de son pourcentage massique, sauf pour ceux à moins de 1% sans cible précise. Les cuivres faiblement alliés, dont le faible taux d'éléments d'addition permet une nette amélioration des propriétés mécaniques sans trop altérer les propriétés électriques, sont divisés en 4 catégories en fonction de leur comportement. D'abord, les cuivres alliés à prise d'écouissage, qui sont des alliages qui ont une augmentation de résistance bien supérieure au cuivre seul pour le même taux d'écouissage. Les exemples typiques sont les alliages cuivre-cadmium et cuivre-cadmium éteint, comme le CuCd1 ou le CuCd08-SN04. On parle de bronze téléphonique pour les CuCdSN, de par leur utilisation pour les lignes téléphoniques suspendues dans certaines régions du monde. On les retrouve pour réaliser des fils ou des ressorts conducteurs. Ensuite, les cuivres alliés à rétention d'écrouissage, qui conservent le renforcement de l'écrouissage à relativement haute température. On y retrouve les cuivres à l'argent et les cuivres à l'étain, utilisés comme les cuivres précédents, mais à température plus élevée, typiquement jusqu'à 200 degrés Celsius. Puis on a les cuivres alliés pour usinage. Le cuivre pur, peu importe son état, s'usine très mal. Lorsqu'il est tout de même nécessaire d'usiner du cuivre, on passe sur des cuivres alliés au tellure, au soufre, au sélénium ou surtout au plomb, qui, dispersés en globules, permettent d'avoir de petits copeaux cassants parfaits pour le décolletage. Enfin, on a les cuivres alliés à durcissement structural. Comme dans le cas des aluminiums des séries 2000 et 7000, l'ajout de certains éléments d'addition permet la formation de précipités cohérents, qui permettent de combiner haute résistance et ductilité. Et dans le cas du cuivre, les précipités ont pour beaucoup un effet minime sur les conductivités électriques et thermiques. On y retrouve les cuivres alliés au chrome, au zirconium, au chrome zirconium, au fer phosphore, au cobalt phosphore, au nickel silicium, au beryllium et au chrome beryllium. Les cuivres au chrome conservent leurs propriétés mécaniques jusqu'à 450 degrés.
On va retrouver ces cuivres pour la fabrication d'électrodes de soudage, de contacteurs de puissance ou de pièces de frein. Le cuivre le plus notable d'un point de vue mécanique est le cube 2, avec 2% de beryllium. Sa limite élastique peut atteindre les 1200 MPa, soit autant que les meilleurs aciers. Une application notable de cet alliage sont les moules d'injection plastique, sous le nom commercial de Moldmax. Il résiste bien dans le temps grâce à sa dureté élevée, mais permet de refroidir plus rapidement les pièces injectées qu'un moule en acier, ce qui est rentable sur des séries de plusieurs millions de pièces. Étant amagnétique et surtout anti-déflagrant, il permet la fabrication d'outils en zone ATEX. Voici un tableau des principales propriétés physiques et mécaniques des trois premières catégories de cuivre faiblement allié et celle des cuivres alliés à durcissement structural où on retrouve notre cube 2. Passons maintenant aux alliages de cuivre qui contiennent, pour rappel, plus de 2,5% d'éléments d'addition. On y retrouve essentiellement les laitons, des alliages cuivre-zinc, les bronzes, des alliages cuivre-étain, les cupro-aluminium, les cupro-nickel et les maille-chore, des alliages cuivre-zinc-nickel. Les laitons, reconnaissables à leur couleur principalement jaune, pouvant se rapprocher de l'or, sont aujourd'hui les alliages de cuivre les plus utilisés au monde. Première raison, le prix du zinc, trois fois inférieur à celui du cuivre, qui peut constituer jusqu'à 44% de l'alliage, réduisant son coût final en plus d'améliorer ses propriétés mécaniques et de faciliter les opérations de mise en forme. Avec 2 à 3% de plomb, leur usinabilité devient même exceptionnelle. Les laitons au plomb servent de référence pour évaluer l'usinabilité d'autres métaux. Cette usinabilité réduit encore le coût des laitons, dont on récupère et refond facilement les copeaux, qui peuvent constituer jusqu'à 90% d'une barre de laiton neuve. Deuxième raison, il est bien entendu possible d'ajouter d'autres éléments pour parfaire les propriétés finales de l'alliage, comme avec les aciers ou les aluminiums, ce qui permet de couvrir une large gamme d'applications. Majoritairement utilisés en robinetterie pour leur tenue à la corrosion, on va aussi les retrouver en remplacement du cuivre à moindre coût en électricité, pour des broches de prise électrique par exemple. Leur très faible coefficient de frottement fait qu'on va les retrouver dans l'automobile et plus globalement dans la construction mécanique, aussi bien en aéronautique qu'en maritime, pour faire des paliers ou des coussinets, ou des valves et des raccords. C'est aussi avec les laitons que l'on fabrique les serrures, les pointes de stylo à billes et diverses décorations pour leurs couleurs qui varient du rouge cuivré au doré en fonction du taux de zinc, qu'il s'agisse de profilés en architecture ou de lampes de bureau. Au-delà de ça, on va les retrouver pour beaucoup d'autres applications diverses. Voici quelques propriétés des principaux laitons de l'industrie. Viennent ensuite les bronzes contenant jusqu'à 35% d'étain, dont l'effet est similaire à celui du zinc dans les laitons, mais plus marqué. Aujourd'hui, comme à l'âge du bronze, l'étain n'est pas une ressource abondante, son prix est 4 fois supérieur à celui du cuivre, ce qui explique la préférence dans l'industrie des laitons au bronze et des bronzes peu stannifères aux bronzes à haute teneur en étain. Sous les 16% d'étain, les bronzes se travaillent très bien par déformation, même à froid sous les 10%, mais ils se moulent difficilement, on parle de bronze de corroyage. Au-delà, c'est l'inverse, ils se moulent facilement mais se travaillent difficilement, on parle de bronze de fonderie. Entre 20 et 25% d'étain, on parlera de bronze à cloche, car à ces concentrations d'étain se forme une phase dite phase delta, riche en étain, dure et cassante, ce qui explique la sonorité particulière de ces alliages, utilisés donc sans surprise pour fabriquer des cloches. Au-delà des 30%, on parle de bronze pour miroir, la quantité d'étain évitant la formation de verre de gris typique de l'oxydation du cuivre, ce qui permet de conserver longtemps un beau reflet. A noter que malgré leur base cuivre, ceux-là sont visuellement gris. Dans tous les cas, ils se travaillent moins bien que les laitons sur machine-outil. On peut tout de même améliorer leur usinabilité par ajout de plomb et diminuer leur coût par ajout de zinc. L'utilisation principale des bronzes dans l'industrie est la réalisation de coussinets, car leurs propriétés tribologiques sont encore meilleures que celles des laitons, surtout avec l'ajout de plomb. Par exemple, sur de nombreux hélicoptères, le rotor arrière n'est pas guidé par des roulements, qui fatigueraient rapidement, mais par un palier en bronze. On va aussi les retrouver pour les paliers des bielles dans les moteurs automobiles. D'ailleurs, lorsque le moteur n'est pas suffisamment lubrifié, les coussinets en bronze fondent en guise de pièce martyre. On dit que l'on a coulé une bielle. L'ajout jusqu'à 1% de phosphore dans les bronzes améliore fortement leurs propriétés mécaniques, d'où leur utilisation pour les coussinets très sollicités, les pièces d'engrenage, les hélices de bateau ou les cordes de guitare. Pour le reste, on les retrouve sans surprise pour la fabrication de cloches et de clochettes, mais aussi en robinetterie quand il faut une meilleure tenue à la corrosion et aux produits chimiques, ou pour la robinetterie haute pression et pour les pièces de pompe. Comme les laitons, on va les retrouver en remplacement du cuivre en décoration ou en architecture, notamment pour les statues, car ils se coulent extrêmement bien. Voici quelques propriétés de divers bronzes.
Les cuproaluminium, contenant jusqu'à 14% d'aluminium avec souvent quelques pourcents de fer, de manganèse ou de nickel, offrent à la fois des propriétés mécaniques et une tenue à la corrosion supérieure au bronze, maintenues à chaud ou en milieu marin grâce à la formation d'une couche d'alumine en surface qui les protège du phénomène de cavitation. En conséquence, leur utilisation typique sont les hélices de bateaux et les turbines marines, ce qui se marie bien avec leurs propriétés biostatiques. Ils évitent la croissance des micro-organismes, ce qui protège les pièces comme un revêtement anti-fouling. On les retrouve plus globalement pour la quincaillerie marine, ainsi que pour fabriquer des échangeurs thermiques, des pièces de pompe, des coussinets et diverses pièces mécaniques, mais aussi en remplacement de l'or pour les couronnes dentaires. Comme le cube 2, ils sont antidéflagrants, mais leurs propriétés mécaniques sont plus faibles. Avec quelques pourcents de nickel ou de beryllium, les cuproaluminium permettent d'obtenir des alliages à mémoire de forme, dont on parlera plus tard. Voici quelques propriétés de divers cuproaluminium. Les cupro-nickel, contenant typiquement entre 5 et 50% de nickel avec un peu de fer, de silicium, de manganèse ou d'aluminium, sont très similaires aux cupro-aluminium. Ils ont de meilleures propriétés mécaniques que la majorité des bronzes, tiennent mieux en milieu marin et sont biostatiques. Ils tendent très vite vers une couleur gris-argentée. Ils font partie des alliages les plus ductiles du marché, facilitant grandement l'emboutissage. On les utilise notamment pour la fabrication de pièces de monnaie. Le centre des pièces de 1€ et le pourtour des pièces de 2€ est en cupro-nickel blanc, à 25% de nickel. À part ça, on les retrouve pour des applications en milieu marin, dans les unités de désalinisation, pour de la tuyauterie ou des échangeurs de chaleur, des hélices, des coques et encore plein d'autres pièces de bateaux. Un cupro-nickel bien connu est le Constantan, avec typiquement 40% de nickel, qui a la particularité d'avoir une résistivité électrique indépendante de la température. Contrairement aux autres métaux, une augmentation de sa température ne réduit pas ses performances électriques. On l'utilise essentiellement pour la fabrication de résistances de précision et de capteurs comme des jauges de déformation ou aussi des thermocouples dont on aura l'occasion de reparler. Voici quelques propriétés de divers cupro-nickel. Les Maischer, nommés par contraction des noms de deux ouvriers métallurgistes français dont on n'a que peu d'informations, si ce n'est que ces Lyonnais ont obtenu cet alliage en 1819, sont composés de cuivre, de nickel et de zinc, ce qui les place à l'intermédiaire entre les cupro-nickel, coûteux et performants, et les laitons, moins performants et moins chers. Ils sont aussi connus sous le nom d'argentan ou d'alpaca. Ils servent à la réalisation de ressorts, de connecteurs électriques, de pièces d'orfèvrerie ou d'horlogerie, de clés ou de pièces d'instruments de musique. On les retrouve aussi pour les monnaies. Le pourtour des pièces de 1€ et le centre des pièces de 2€ sont en Maischer. Voici quelques propriétés de divers Maischer. Il existe encore les cuproplomb, les cuproplomb et quelques autres, mais ce sont des alliages peu courants, réservés à quelques applications de niche, donc je ne m'attarderai pas dessus. Voilà pour le cuivre, son histoire et ses alliages modernes. Pour retarder la fin de cette vidéo déjà bien longue, évoquons quelques alliages de cuivre notables, historiques ou modernes, non énoncés jusqu'ici. Dans les textes de l'Antiquité grecque, notamment Critias de Platon, est évoqué un métal mystique utilisé dans la mythique île de l'Atlantide, l'orichalque, littéralement le cuivre des montagnes, second métal le plus précieux après l'or, et qui aurait été utilisé pour recouvrir un des murs extérieurs du temple de Poséidon dans l'Atlantide, ainsi que les colonnes intérieures. On retrouve ce métal énoncé dans l'Énéide de Virgile, dont l'antagoniste Turnus est équipé d'une armure revêtue d'orichalque. Le terme sera repris par les Romains et modifié en orichalque AU, soit le cuivre doré, et correspondant très probablement à un simple laiton. Évoqué dans la Bible, le bronze de Corinthe, un alliage précieux de l'époque classique, supposé fait de cuivre, d'or et d'argent, aurait constitué le revêtement de la porte de Nicanor du second temple de Jérusalem. Un alliage proche est l'hépatison, moins précieux car contenant moins d'or et d'argent, et patiné, ce qui lui donne une teinte sombre, d'où son autre appellation de bronze noir de Corinthe. Des alliages similaires ont bel et bien perduré ailleurs, notamment le shakudo et le shibushi au Japon. Le premier, datant au moins du 8e siècle, contenait 3 à 10% d'or. Le second, datant au moins du 18e siècle, mais certainement bien plus ancien, contenait 5 à 25% d'argent. Ces deux alliages servaient notamment à réaliser des bijoux et à décorer les armes, grâce à leur aspect noir une fois patiné avec une méthode précise, le procédé Nihiro. En Amérique précolombienne, on retrouve le tumbaga et le guanine, rien à voir avec la base azotée. Le premier est un alliage or cuivre comportant des proportions très variables des deux éléments, servant pour toutes sortes d'objets religieux ou décoratifs.
Le second, destiné aux mêmes usages, contenait de l'argent et des proportions moindres d'or, ce qui en fait un alliage de moindre valeur. Un autre alliage est resté utilisé durant longtemps, puisqu'il a servi en Europe de la Rome antique à la France du XIXe siècle en passant par le Moyen Âge, le billon, un alliage cuivre-zinc-argent avec parfois de l'or ou d'autres métaux qui a servi à la frappe des monnaies durant toute cette période pour de nombreuses nations européennes. Un alliage proche est le potin, de moindre valeur car étant un bronze au plomb qui a notamment servi de monnaie en Gaule et chez les Celtes. Plus récemment, dans l'histoire, sont apparus le Ruols, un cupronickel à l'argent, mis au point par le comte Henri de Ruols dans la seconde moitié du XIXe siècle, et qui servira essentiellement en joaillerie et en argenterie. À la même période est produit l'Alphénide, par Charles Alphen, et qui est un maillechor servant aussi en joaillerie et en argenterie. Ces deux alliages présentant les mêmes avantages pour ses applications par rapport à l'argent. Au XIXe siècle est mis au point le gunmetal, un bronze au zinc pour la fabrication des canons des armes à feu, d'où son nom, avant d'être remplacé par l'acier. Il servira, grâce à sa bonne tenue chimique, pour réaliser de la robinetterie industrielle. Enfin, l'or nordique est un laiton moderne à l'aluminium et à l'étain qui ne contient absolument pas d'or et sert à la fabrication des pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros, ainsi que pour les pièces de 10 couronnes suédoises. Et voilà tout pour le cuivre et ses alliages. En espérant que vous ayez appris quelque chose au cours de ce très long épisode, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.